Non, c'est bon. Donc c'est du solo. Voilà. Prenez ça comme littéralement un Fallout New Vegas 2. Hein, les gens ont l'air de dire ça comme ça. un avis Twitter de Outer Wilds, tiens donc. Donc voilà, le but du jeu pour nous, ça va être de découvrir donc Outer Wilds qui se veut être Fallout sans s'appeler comme ça, anciennement développeur de Bethesda, comme je vous l'ai dit jusque là. Donc c'est un jeu solo, FPS, d'aventure, RPG, comme on l'a connu avec Fallout 3, New Vegas et compagnie. Quid de ce qu'on a pu reprocher à Fallout 4, donc par exemple l'écriture du jeu qui était en somme toute sommaire dans ses réponses, là où ça faisait la force du jeu dans les anciens. Est-ce que ça rattrape ce côté-là ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là ce soir. Ou peut-être pas que ce côté-là. 4 niveaux de difficulté. Histoire, normal, difficile, supernova. Nous, on va rester en normal. Tous les sous-titres on. Let's go. Stay earthbound when prosperity awaits you in the stars. Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity, with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny. When you go out of this world, the Halcyon Colony. Of thousands of colonists left adrift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Donc voilà dans quoi nous jette finalement la subtile et rapide intro du jeu. Dans un premier temps, je vais baisser le son du jeu après, il est un petit peu fort, j'ai l'impression. Pour donc la création de personnages, et effectivement comme tu l'as dit Raze, la ressemblance avec Fallout a déconne absolument zéro, on a l'impression de voir un véritable clone de Fallout. Et ce jeu aurait pu s'appeler Fallout en fait tout simplement 5, et ça n'aurait choqué absolument personne. Bref, on va arrêter de dire Fallout, et on va se lancer dans le jeu, le prendre à part entière et voir ce qu'il nous propose. Donc, au niveau des attributs, donc force, dextérité, intelligence, perspicacité, charme, tempérament, donc deux catégories par trois grands groupes, physique, mental et personnalité. Dextérité, arme à une main, arme de poing, esquive, parade, discrétion, intelligence, ça va être persuasion, arme longue, médecine, science, perspicacité, arme de poing, longue, ah oui ça aussi du coup. Bonus de tir à la tête, sur les points faibles, dégâts critiques, vitesse d'attaque, dégâts au corps à corps et capacité de portage. Actualisation des capacités compagnons, régénération de santé par seconde. Et ben moi je vais prendre dextérité, perspicacité, intelligence, c'est très bien. Un petit peu de poids de portage et de dégâts au corps à corps, c'est peut-être pas plus mal. On va voir un petit peu ce que ça donne cette histoire de... le jeu est sur, et pas sur le game review comme il est stable. Alors on parlera du moteur graphique juste après. Il y a des choses qui m'ont un peu choqué, tant sur la technique. Alors... je connais pas le contexte de développement du jeu, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu choqué sur la technique à proprement parler, tant en moteur de jeu qu'en termes de direction artistique. Mais on en parlera une fois dans le jeu. Charme, bah au pire je mets tout, voilà. Mets un point dans chaque. Très bien, je mets un point dans chaque. Alors du coup, par grand groupe, je vais pouvoir distribuer déjà 2 points. Donc défense, dialogue, furtivité techno, leadership. Donc là par exemple, distance, c'est très bien ça, distance. Chance de critique avec les armes de poing, instabilité des armes de poing, c'est très bien ça.
You are going to paint the system red, my friend. Tout à fait. Furtivité, c'est bien ça, discrétion, piratage, crochetage, c'est très très bien ça. Things tend to vanish off tables whenever you're around. Fallout Worlds, j'avoue, on aurait pu mettre ça en titre. Le fameux jeu qui a Selou Mikoudaine qui a la cote en ce moment, bah oui, parce que c'est... Est-ce, quelque part, est-ce qu'on va renouer avec les anciens Fallout? Là est la vraie question. Alors moi, je n'ai pas vraiment d'expectation sur ce jeu, mais bon, parce que j'ai joué qu'à un tout petit peu de Fallout 3 et pas mal de Fallout 4. Oui, j'ai pas fait New Vegas, pas bien, pas tapé. Mais bon, voilà, on verra à quoi s'attendre, vous pourrez comme ça faire aussi la comparaison vous-même. Donc exactement, c'est à la sauce... En fait, c'est un mélange entre Fallout et Borderlands dans le, un peu l'humour et tout ce qui va avec. Voyez ça un petit peu comme un mix des deux. Exactement, bah le bonhomme cartoonesque, tu l'auras dans le jeu parce qu'il ressemble à un bonhomme de Cuphead. Alors, du coup, on peut choisir une particularité. Technicienne de débit de boisson, bureaucrate de rang 0, hôtesse de caisse, électricien, responsable des services d'ascenseur, ouvrière de chaîne de montage, agricultrice, testeuse. Ah, j'ai choisi féminin. Ah non, c'est peut-être après. Ah, je sais pas. Ou pas de particularité, défait des boissons, parade, persuasion, dégâts électriques, ingénierie, esquive, dégâts rayon N... Durée d'effet de nourriture, dégâts corrosifs, inspiration, médecine, dégâts plasma, science, arme à une main, plus 1. Je vais prendre rien, je vais prendre détermination, tiens. I am determined. We'll see about that. Alors, c'est un mix des deux, c'est entre le post-apo et le space western, c'est particulier. En fait, on a l'impression presque dans la direction artistique, là, comme on le voit jusque-là, de jouer à Bioshock, en fait. C'est super bizarre. Salut Minj, comment on va? Salut Bastou. Comme un No Man's Sky avec un côté combat en plus. Bah moi je voyais vraiment comme un Fallout mix. En fait tu prends, ouais littéralement, tu prends Fallout, tu prends Borderlands et tu prends Bioshock. Tu prends les trois, tu mixes très très fort et tu fais Outer Wilds. Enfin voilà, tu fais Outer Wilds. Faut bien s'hydrater dans ce monde. Ah voilà, apparence. Le caisson de cryogénisation, tiens donc, ça me rappelle un jeu ça. Alors voyons voir, visage, qu'est-ce qu'on a comme tête? Alors je vous cache pas que j'ai déjà exploré vite fait le début du jeu pour voir un petit peu comment il se passait. Donc moi j'avais pris une tête toute lambda, voilà. Couleur de peau, un truc bien blafard parce que moi j'ai une tête de fion blafarde. Parfait, couleur des yeux. J'aime bien les yeux jaunes. Ouais, bon après je vous passe les détails, hein, c'est très bien comme ça. Cheveux. Très important les cheveux. Ouais. Ça part très très vite dans la pilosité un peu extrême mais why not? C'est soit trop sage, soit trop... Non, pas ça. Ça, j'aime pas. Je vais finir avec un truc tout lambda, tout nul. Ah, c'est très bien, ça. Ça fait trop propre sur lui, tout ça. Y a pas un espèce de tirant sur le bleu-violet? Parfait, très bien. Pilosité faciale. Ah, très important, ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait... Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Oui, alors il y a un côté dans la direction artistique de Bioshock. Hein. Après, le jeu en lui-même s'apparente beaucoup plus à... Tiens, je vois une dernière fois, à un Fallout. On dirait la coupe du Fallout Boy. Ouais, j'avoue, c'est un peu ça. Couleur de pilosité faciale. Y a pas un truc tirant plus sur le bleu? Ah ouais, là on tient un truc. Couleur, on a choisi la 10. Ah, ça fait des petits reflets comme ça, c'est beau. C'est beau. Ouais, j'ai fait des yeux de Sith. C'est marrant parce qu'il y en a qui comparaient ce jeu à KOTOR. Je vois pas du tout pourquoi, mais il y en a qui comparaient ce jeu à KOTOR. Maquillage, tout ça, cicatrice, non, on s'en fout. Très bien. Parfait. Quel est votre nom? Edge Millet. Parfait. Non, pas d'espace. Entrée. Suivant. Résumé. Donc voilà, on a le résumé de notre perso, voir un petit peu dans quel stat, et là on voit que dans chacune des compétences que l'on va débloquer, en fait on a des paliers qui vont débloquer des aptitudes supplémentaires par compétences. Et ça, ce sont les grandes stats, finalement. Merci pour le host, Minge. Donc finalement, ça ressemble à du RPG conventionnel, hein, en soi, avec des grandes caractéristiques et avec des compétences propres qui découlent justement de ces caractéristiques et des aptitudes que l'on retrouvera au fur et à mesure, qui découlent elles-mêmes de tout le reste, finalement. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers.
Initiate skip jump. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! T'es là, tu te dis que ça commence bien. Et même les temps de chargement, hein, ça fait très propagande. Je saurais jamais te dire si c'est années 50, 60, 70. Ça fait très, ça fait vieux, quoi. Ça fait Fallout. J'ai vraiment du mal à imaginer, à me déterminer de quelle année viennent ce genre de direction. Gare froide, voilà. There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one of a kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. I'm all the colonists are counting on you. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Oui, bah il est un peu mort du coup parce qu'il s'est pas écarté du beacon. Alors je vais juste baisser un petit peu le son puisqu'il m'a l'air un tad poilou élevé. Voilà, donc le jeu est en QWERTY de base. Salut River, comment va? Bah, pas trop mal, toi. Alors, allons voir un petit peu. Donc c'est clairement du Fallout. On retrouve la boussole en haut de l'écran, la vie en haut à gauche. Par contre, au niveau de la direction artistique, je trouve que ça penche quand même énormément du côté, comment dirais-je, BioShock. Par contre, on va se le dire tout de suite, le jeu est pas très beau. Je sais que je m'y attarde, je suis pas toujours fervent de le jeu, il faut pas s'arrêter sur les détails graphiques, etc., etc. Mais on a l'impression que le jeu date de l'époque de Skyrim. Graphiquement parlant, le jeu est en ultra, on a l'impression qu'il date de l'époque de Skyrim. C'est très étrange comme sensation, en fait. Donc, et oui, par les gars de New Vegas, bah oui, c'est ça.
Donc au niveau du gameplay, comment ça va se passer? Bah c'est du Fallout hein, jusque là, sauf qu'en plus on aura donc des esquives en faisant deux fois barre d'espace, on le voit en haut à gauche de l'écran, qui nous permettent comme ça de backdash ou de faire des dashs sur le côté. On aura ce qui remplace le VATS dans Fallout, qui est en fait quand on va appuyer sur A, la jauge violette en dessous de la barre de vie, qui va nous permettre d'arrêter le temps et qui va se consommer à mesure qu'on va faire des actions en arrêtant finalement le temps. Un système donc de cover où on peut se cacher dans l'herbe comme ça qui nous est apprise au début du jeu avec un système de détection des grosses bébêtes. Donc oui, le tuto est totalement linéaire, hein, c'est fait exprès mais... Ah oui, après le jeu a une direction artistique très belle. Je trouve que techniquement parlant, il y a beaucoup de choses comme des ombrages indirects ou des objets qui on dirait qu'ils flottent au sol parce qu'ils n'ont pas d'ombre ou de choses comme ça, qui sont assez fréquents. Voilà, donc ça c'est ce qui arrête le temps. Où ils expliquent que c'est un effet secondaire de ta métastase, tout ça. Donc là, ils te font tomber de haut. Vous voyez, le tuto est assez linéaire et assez bien fichu. Ou t'appuies sur F pour consommer un espèce de... une espèce de steam pack. Ah oui, désolé, j'aurais les termes de Fallout là-dessus. Qui permet de se soigner. J'ai fait exprès de comparer ça à Skyrim pour... voilà. Alors du coup, au niveau des dialogues, déjà, ça a l'air un peu plus fourni que Fallout 4. LOL. Bref, alors. Space Choice, le nom de la loi, ça pique. Bougez pas, je suis médecin. Il y a l'air d'avoir des dialogues qui picotent un peu. Donc là, on est qu'au début. Hein. On va explorer le jeu, on va voir ce qu'il donne. Dites-vous bien que là, on n'en est que à la première de demi-heure de jeu. Hein. Mais évidemment, les comparaisons que je fais, c'est pour tirer sur la corde volontairement, mais vous comprendrez vite de quoi je parle. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais donc commettre cet échange pendant... Ah oui, ah, ils n'ont pas le droit d'accepter de l'aide extérieure, semblerait-il. Space quoi? Oh, we're all part of the Spacer's Choice family here. Not that I deserve to be. Can't even deliver a company slogan. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired, right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Oui, c'est vrai que dans les angles de caméra de dialogue, ça fait complètement Oblivion, Fallout 3, Fallout New Vegas, hein, clairement, évidemment. Qui sont les marauders? Non. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Non. Vous vous cachez dans une grotte et vous avez bloqué la sortie. Vous étiez déjà presque mort, tout à fait. Spacer's Choice Policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ah, des caisses qui pètent, classique. Ouais, y a déjà un Nexus mode pour le jeu, ouais. Les mecs qui perdent pas de temps, c'est ouf. Aïe, aïe, aïe. Mode coop, ah, ce serait très drôle qu'il y ait un mode coop, et après, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça s'appelle Fallout 76. Oui, enfin bon. C'est une autre histoire, pour l'instant nous sommes sur un jeu solo. Alors persuasion, mensonge, intimidation, persuasion, je vais pas être méchant, on va essayer de la jouer cool. J'ai une meilleure idée, donnez-moi votre arme, je vais aller chercher de l'aide, ça c'est bien. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ok, tu m'as l'air trop enthousiaste pour ta faction, toi ça me paraît bizarre. Salut Colius. Alors ce Fallout spatial, on vient juste de le commencer, j'ai épluché un petit peu le début pour voir ce que ça donnait. Je vous laisserai en juger et on en reparlera au fur et à mesure qu'on découvre, évidemment. Mais ouais, j'avoue que Todd Howard, petit à petit, nous reste en travers de la gorge, tout à fait. Alors on a récupéré un flingue, vous verrez que, en fait, finalement, au niveau de l'inventaire, c'est déjà mieux foutu que Fallout. Vraiment, on a l'impression d'avoir un inventaire cool, cette fois-ci, très gérable à la souris. Même si le Pip-Boy était très bien, mais un petit peu mal géré niveau ergonomie. Alors, et on se trouve où, là, en fait, du coup? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ok, cool, salut.
cool. Bon, j'ai un flingue. Alors, au niveau de l'inventaire et de l'interface, voilà, on va passer un peu tous les tutos. Je sais pas, j'ai pas joué à New Vegas, donc je ne pourrais pas faire la comparaison, c'est là où vous pourrez m'aider. Donc vous avez votre sac à dos, vous avez 4 raccourcis d'armes, c'est très simple, mais en même temps pas trop. C'est à la fois simple et on s'y repère vite, et en même temps bien fichu. 3 types de munitions, léger, lourde et énergie. Un slot pour les armures, pour donc corps et tête, c'est aussi simple que cela. Un slot pour les items de soins, un slot pour les items de réparation et de modification, un pour le général, un pour les objets de quête et un pour le rebut. Un journal de quête, une fiche de personnage avec tous les grands attributs principaux qu'on retrouve dedans, les compétences que l'on va pouvoir monter par grandes catégories, distance, corps à corps, défense, desquelles découlent bien sûr les compétences, les sous-compétences finalement qui elles-mêmes vont servir de palier à, on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bonus qui vont se débloquer au fur et à mesure des points qu'on met dedans. Des avantages que l'on va pouvoir débloquer par palier comme ceci, qui nous donneront plus d'XP, qui feront qu'on pourra porter plus de poids, qui feront que les armes s'usent moins vite, que les compagnons sont plus forts, etc. etc. Donc c'est résumé par donc grande catégorie, compétences que l'on va monter et avantages que l'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Voilà un petit peu comment le jeu s'articule au niveau de la montée en puissance, des réputations de factions et des détails, pour avoir des détails chiffrés sur nos armes, nos stats, etc., etc. Et bien sûr la carte que l'on retrouve comme ceci en appuyant tout autant sur virgule qu'en allant directement dans carte et le niveau qu'on retrouve en haut à droite. Voilà comment s'articule finalement le menu du jeu. C'est exactement le même système que sur New Vegas. Ah bah c'est cool alors. Allez-y. Oops. Et voilà, et c'est là où ils nous apprennent justement à nous servir de la dilatation temporelle qui va être la jauge violette qui va se régénérer avec le temps juste en dessous de ma barre de vie, qui va me permettre d'arrêter le temps. Et tant que je ne fais rien, ça se consomme quasiment pas, mais dès que je vais faire une action, et bah ça va remplacer finalement le VAT hein, de Fallout. Il est où l'autre? J'ai entendu gueuler. Il y en a pas d'autre? Ah si, si, si. Ah oui, il y a. Oh là là. Oh là là, je sais pas viser. Il y en a. Pouf! Et voilà. Et donc, on loot les mêmes. On peut maintenir E pour tout prendre ou un par un. Petit à petit. Alors, c'est pas comme les jeux Bethesda où on peut prendre la moindre brindille au sol. Clairement pas. Tout ce que tu peux prendre est entouré d'un espèce de halo bleu. Un petit peu comme ça, qui va nous permettre d'interagir, de savoir directement avec quoi on peut interagir. Alors là, le crochetage, en fait, c'est hyper rapide, vous allez voir, il n'y a pas vraiment d'interaction, tu maintiens quand tu as les items qu'il faut, et tic-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 tic, c'est ouvert, voilà. C'est assez sommaire, mais ça fait le taf. Alors du coup, bâton, si j'appuie sur C, je peux comparer ce qui a le petit icône de comparaison, je peux le comparer avec un autre objet. Donc là, par exemple, le bâton est plus puissant. En termes de dégâts que le sabre. Alors tu peux afficher les dégâts chiffrés comme ça, tu peux afficher, en fait tu peux dire au jeu d'afficher en DPS, d'afficher les dégâts quand tu tapes quelqu'un en dégâts flottants, tu sais quand tu le tapes tu verras un petit 12 qui saute de sa tête parce que t'as tiré, ça a fait 12 de dégâts. Des petites choses comme ça, donc vous voyez on le voit clairement les objets qu'on peut prendre de ceux qu'on ne peut pas prendre du tout. Voilà, donc moi au début ce que je vais faire c'est que je vais tout ramasser et on va voir si on est très vite limité par le poids de portage ou pas. Ouais, bah, un petit crochetage à la Skyrim, j'aurais pas dit non, hein, sincèrement, ou un truc qui ressemble, quoi, mais juste appuyer sur E quand t'as les matériaux pour juste ouvrir une caisse, alors que t'aurais pu le crocheter, ouais, voilà, c'est le petit truc. Alors normalement, il y a des headshots quand ça s'affiche en jaille, en jaune. Bouffe. Ah, il y a une bonne physique sur les persos. Tiens, j'ai tapé un bon coup vers la gauche, le mec il a volé. Alors là par exemple, j'ai récupéré une tenue qui va me permettre donc déjà un masque, armure 4, armure 3, hop là, voilà. Et la petite clé à molette à côté, ça veut dire que normalement c'est déjà réparable. Oui, parce qu'on retrouve un système de durabilité sur les armes et les armures. Coucou Oblivion. Non, sûrement Fallout aussi, mais... Coucou les anciens systèmes qui à la fois faisaient pester une partie des joueurs et en même temps rassuraient une partie des joueurs tant en termes de craft qu'en termes d'amélioration.
Une sorte de grainage à l'image. Alors, j'ai fait des... Oui, j'ai fait des tests de stream sur le jeu. Et il se trouve que, malheureusement, j'ai laissé le stream en 60 FPS et je sais qu'il pixelise énormément. En fait, il faudrait que je le rebascule à 30 FPS pour que ce soit pas pixelisé chez vous. Donc, c'est très beau, hein. Je veux dire, graphiquement parlant, la direction artistique elle est très très belle, même si tu sens que sur la technique, c'est pas un jeu dernière génération, tu vois, clairement, sur le moteur graphique et tout. Mais, je sais... Voilà. Oui, et puis ça te force à changer d'arme, tu sais, c'est un peu comme la mécanique de Breath of the Wild, finalement. Le fait que tes armes pètent, ça te force un petit peu à changer d'arme. Nouvelle sauvegarde, voilà, paf. Donc finalement, j'ai presque envie de vous redémarrer le stream en 30 FPS. Si pour vous, c'est trop pixelisé, moi j'avais cru voir, en tout cas, que ça l'était énormément. Le temps que je passe le dialogue là, vous allez me dire si vous trouvez ça trop pixelisé ou pas, par rapport à des jeux que je préfère d'habitude et auquel cas on le redémarrera en 30 FPS. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Ouais, pas même pas peur. You pulling my limb? I mean, yeah, of course. Marauders, bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath, stretch my legs some. Ouais, non, je vois pas tant un grain sur l'image. Il y a, tu peux enlever le, c'était carrément une jauge en fait pour le flou de mouvement, mais c'est complètement autre chose. Je vais faire un petit tour dans les options graphiques et je rebooterai en fait le stream en 30 fps parce que je sais que ça pixelise pas mal. Comme ça, ça nous fera une première vidéo d'intro, coucou YouTube, et on se lancera corps et âme une fois que le reboot aura eu lieu. Alors du coup, j'ai juste besoin d'un instant, persuasion, est-ce que les gardes de l'un refusent parfois un défi? Non, on s'en fout, mensonge. Je parie que vous pourriez forcer ces marauders à vous dire à qui appartient ce vaisseau, pourquoi pas. Je crois que vous me donnerez zéro dans mon sondage de satisfaction client, n'importe quoi. Espèce de lâche! Pas du tout. Ah ouais, tiens, on va les taunt un peu. Genre, ils refuseraient un défi. Well, sometimes management's real good at cost benefit analysis. But seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Elle a dit fucking. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais sauvegarder, je vais reboot en 30, comme ça, ça nous fera une première VOD de découverte du jeu dans ses mécaniques globales et comment il se présente dans son introduction. Je vous rappelle que le jeu est disponible sur le Game Pass, c'est 4€ par mois. Vous avez sur le Game Pass des jeux, très bons jeux comme Sea of Thieves, Outer Worlds, vous avez beaucoup de jeux indés. Vous avez toujours de plus en plus de jeux sur ce Game Pass, 4€ par mois, et vous avez à dispo Outer Worlds, entre autres Metro Exodus, Super Hot, enfin voilà, il y a énormément de très bons jeux. Des bisous la VOD YouTube, quant à nous on se retrouve juste après un petit cut pour repasser en 30 pour éviter la pixelation. Malheureusement c'est un jeu qui fait souffrir énormément les encodeurs de stream, et pourtant j'ai poussé le truc assez à fond. Aïe, c'est vrai que quand on n'a même pas 4€, malheureusement, c'est un petit peu dommage, mais vous ne pouvez ne pas payer 60 balles ou je ne sais combien votre jeu plein pot. Déjà, ça coûte un peu moins cher si vous voulez y jouer ne serait-ce qu'un mois. Des bisous YouTube, à tout de suite pour le live, on reboot en 30 et on se lance corps et âme dans le jeu.